Seigneur, il n'y a pas de moi sans toi, Jésus. Oh papa, il n'y a pas de moi sans toi, éternel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si t'es intéressé, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Donc, encore merci aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez rester longtemps sur cette chaîne. En fait, cette vidéo, là, je filme après mon live sur Instagram. Je sais pas si tout le monde l'a regardé. Enfin, si tu l'as regardé, je voulais encore remercier toutes les personnes qui ont regardé et toutes les personnes qui n'ont pas regardé, qui ont vraiment voulu le faire mais qui n'ont pas pu. Merci quand même. Et toutes les personnes qui ont prié pour que ce live se déroule bien, par la grâce de Dieu, malgré les bugs, je crois que le message est passé. Et voilà, en fait, tout simplement, merci et que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je viens avec une vidéo pour vous donner quelques conseils pour garder Dieu au centre de ton année, au centre de tout ce que tu fais. Donc, premièrement, en fait, il faut savoir qu'il faut chercher le royaume des cieux en premier. C'est chercher le royaume des cieux, c'est à travers la Bible, la parole. Chercher le royaume des cieux, c'est prier, c'est faire, essayer de faire la volonté de Dieu et vraiment, en fait, essayer de vivre une vie de sanctification. Il est dit dans Matthieu 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Tout ce que tu désires, tout ce que tu désires, que ce soit les études, que ce soit je ne sais pas quel domaine, si tu recherches d'abord le royaume des cieux, sache que cela te sera donné en plus. Mais il ne faut pas que tu cherches le royaume des cieux dans le but d'avoir le plus, comme je le disais dans mon live, mais vraiment de chercher le royaume des cieux pour qui est Dieu, d'accord? Pas pour les intérêts. Je continue. Et pour ça, il suffit de... il faut lire la parole déjà, il faut être assidu, lire la parole, comme ça tu sauras ce que Dieu veut pour toi, tu sauras en fait comment Dieu veut que tu marches avec lui et pour lui. Et en plus de ça, tu peux aussi prier, tu peux prier pour que Dieu te montre en fait comment réagir à certaines solutions, à certaines situations. Je ne sais pas, toi seul sais pourquoi pour quel domaine... pour quel domaine spécifique tu dois prier, mais voilà. Il est dit dans Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » C'est-à-dire que ne prie pas devant les gens pour montrer que tu pries devant les gens. Non, ça c'est le pharisianisme, d'accord? Prie dans ta chambre, tu fermes ta porte comme là. Tu fermes ta porte véritablement, tu es seul, il y a juste Dieu et toi. Et là, tu discutes, c'est une discussion. Tu discutes avec Dieu comme un père. Tu lui parles comme si c'était ton père, tu lui parles comme si c'était ton ami, comme un confident. Il n'y a pas une forme particulière. Tout simplement, tu dois prier tout ton cœur et tu dois tout simplement laisser Dieu te guider. Et sache que parce que en fait, tu laisses tout entre les mains de Dieu, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas toujours facile parce que la vie n'est pas facile. Mais ce qui est bien avec la vie chrétienne, c'est que Dieu te donne les clés. Il te donne les clés justement pour avancer et pour traverser ces étapes difficiles. Il te donne toute l'armure, te donne toutes les clés pour avancer. Et je vais finir avec Philippiens 4, 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Il faut toujours être reconnaissant envers Dieu, d'accord? Dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc véritablement, je crois que la clé pour garder Dieu au centre de notre vie en cette année, dans tout ce que l'on doit faire, dans tout ce que l'on veut faire,
c'est prier, lui faire connaître nos désirs par des prières et des supplications dans le lieu secret, et Dieu nous le rendra. Tu peux me dire, mais comment faire? Lire la Bible, c'est compliqué, je n'y arrive pas, etc. Sache que ce que le diable ne veut pas que tu fasses, c'est être assidu. Il ne veut pas que tu sois assidu dans ta lecture de la Bible. Donc, il faut que tu sois correct, il faut que tu sois droite, que tu t'imposes un rendez-vous avec Dieu à l'heure de la journée que tu veux pour lire et essayer de méditer sa parole. D'accord ? Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de temps. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo t'aura béni. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Love you, see you in the next video on Friday.